d'avoir quitté cet environnement-là dans lequel j'avais grandi, ça m'a apporté énormément de choses positives, bien sûr. Il y a des gens, par le fait qu'ils sont venus à la Hamra, et ben, quand ils sont rentrés, c'était plus les mêmes. C'est pas une Coupe du Monde, c'est 10 Coupes du Monde. Tarek, salam alaikum. Tu vas bien? Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bon, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier podcast de Partie de Rien. C'est un honneur parce qu'il y a quand même pas mal de... une belle histoire entre toi et moi depuis 2 ans qu'on se connaît. Alors Tarek, je vais te laisser te présenter. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Donc, je m'appelle Tarek, j'ai 34 ans, j'habite en Arabie Saoudite, je suis père de 2 enfants, je suis originaire d'Île-de-France, plus particulièrement du 92. Nanterre, c'est ça? Nanterre, c'est ça. T'es connu comme le loup blanc là-bas? Je suis parti quand même un peu jeune. Je suis parti jeune de là-bas, donc... Nanterre, c'est une ville riche, on a appris beaucoup de choses là-bas. Et le contexte était propice à beaucoup de choses, machallah. D'accord, ça fait combien de temps que tu es parti de Nanterre? Je suis parti, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années là maintenant. Ouais. Tu regrettes ton choix? Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand je suis parti il y a un peu plus de 10 ans, c'est vrai que c'était un peu quelque chose qui se faisait pas trop. Les gens, ils étaient un peu étonnés de mon départ. Ils me demandaient pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que. Moi, je suis parti dans un premier temps pour aller étudier les sciences islamiques. Et je ne suis plus jamais revenu parce que, alhamdoulilah, le fait d'avoir quitté cet environnement-là dans lequel j'avais grandi, ça m'a apporté énormément de choses positives, bien sûr. Ah ben écoute, c'est parfait. Moi, déjà, on s'est connu en 2022, en fin janvier 2022, pour être plus précis. Tu avais désiré me rencontrer par rapport à un ami qu'on a en commun qui est associé avec nous sur Guidine Mecca, le frère Ryan. Donc on s'est rencontrés, on avait parlé du fait qu'à l'époque, Dubaï, par rapport au Covid, était très fréquenté et que pourquoi pas, de par ma visibilité, de par du fait que vous soyez sur place, pourquoi pas essayer de faire la passerelle pour inciter les Français à venir faire la Omra. L'idée m'avait beaucoup plu et tu m'avais suggéré l'idée de venir tester. Alors franchement, j'étais à des années-lumière de penser que j'allais me retrouver à partir à Mecca aussi rapidement, hein. Et donc tu as été une des causes en fait de ce départ précipité qui a radicalement changé ma vie, hein, qui m'a apporté que du plus que des bonnes choses. Bon, je voulais te remercier déjà pour ça. Et c'est vrai que, qu'à la sortie de ce voyage, on a décidé de créer Guidine Mecca ensemble, tous les trois, toi, Ryan et moi. Et aujourd'hui, ça fait plus ou moins 2 ans, donc c'est bien que ce podcast arrive à ce moment-là. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de Guidine Mecca. Qu'est-ce que Guidine Mecca est aujourd'hui, on va dire? En fait, Guidine Mecca, on a mis en place ce genre de concept pour donner une alternative à la Hamra. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Hamra, ça a toujours été des groupes qui se formaient depuis la France pour les pèlerins français et qui allaient effectuer le petit pèlerinage à la Mecque. D'accord, la Hamra, elle a toujours été constituée comme cela. Depuis quelques années en arrière, ils ont mis en place ce qu'on appelle les nouveaux visas touristiques, donc qui permet aux gens de venir visiter le pays et en même temps de pouvoir effectuer la Hamra. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient tout seuls et avaient besoin d'être accompagnés sur place. Donc, justement, l'alternative de Guidine Mecca, c'était de proposer ce service-là, c'est-à-dire de récupérer les gens dans les différents aéroports, de les transférer dans les différents hôtels, de les accompagner d'un point de vue religieux, mettre en place des visites historiques à la Médine, des visites historiques à Mecca. Et de là, donc, on a lancé le concept de Guidine Mecca. Ce que Guidine Mecca propose,
aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à des gens de venir effectuer la Umrah en comité restreint, on va dire, en privé. C'est du service privé. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, l'inconvénient qu'il y a à faire du privé plutôt que du groupe, ben, c'est le tarif qui est forcément plus élevé qu'une visite avec un bus, avec une vingtaine, trentaine de personnes. L'avantage, c'est que, on ne va pas se mentir, le service n'est pas le même du tout. Là, c'est vraiment du service à la carte, c'est du service personnalisé. Quand tu fais une visite, comme tu as pu me le faire à moi et ma femme, bah, tu prends le temps de tout nous expliquer, de répondre à nos questions. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Après, c'est sûr que pas tout le monde peut se le permettre, malgré qu'en termes de tarifs, on reste très raisonnable. Mais en tout cas, moi, pour ma part, et tous les retours que j'ai eus, tous les bons retours que j'ai eus des personnes qui sont passées avec nous et qui étaient plus que ouais, ils étaient, voilà, quoi, ils, en fait, vous avez fait le même effet à tout le monde, hein. D'ailleurs, alors je sais que par exemple, il y a des gens qui m'ont déjà dit, et toi, je pense qu'on a dû encore plus te le dire, aujourd'hui, grâce à YouTube, on n'a plus besoin d'avoir de guide, on va sur YouTube, on apprend comment effectuer la Umrah, et au final, ben, ça nous coûte moins cher. Alors, c'est pas faux, mais aujourd'hui sur YouTube, on n'a pas tout ce que par exemple tu peux nous expliquer quand on fait des visites, parce que quand même Mecca et Médine, c'est quand même des lieux à remplir d'histoire. Et quand on roule en voiture avec toi, la vérité, alors, autant moi je suis quelqu'un, j'aime pas la voiture, mais de rouler en voiture avec toi, je pourrais faire le tour du monde. Si Mecca et Médine, ça ferait le tour du monde, je pourrais faire le tour du monde parce que tu connais les lieux et les histoires sur le bout des doigts. Et c'est très 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 plaisant. En plus, c'est une façon de raconter en plus qui est plaisante. Et sincèrement, ça, ben, quand tu vas sur YouTube ou quand tu prends une visite avec un groupe, tu peux pas avoir ça. Et franchement, je trouve que c'est aujourd'hui ce qui fait réellement la différence. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont passés avec nous il y a 2 ans et qui sont revenus l'année dernière et qui vont revenir cette année. Donc, si les gens qui sont passés par nous repassent par nous, c'est pas pour rien. Par rapport au fait de faire ça en privé, les avantages qu'il y a, c'est déjà d'être en comité restreint, d'avoir un guide que pour soi, le fait d'être avec un guide particulier dans la voiture, de pouvoir poser toutes les questions. Des fois, il n'y a pas de questions bêtes. Des fois, il y a des gens, ils ont des questions un peu plus personnelles. C'est vrai que d'être en groupe, c'est un peu plus compliqué des fois. Et le fait d'avoir un guide, une proximité avec le guide durant la Umrah, pour les invocations, les erreurs à faire, les choses à pas faire, les choses à dire, les choses à pas dire, bah, ça facilite toujours d'être en comité plus restreint. Au niveau des visites aussi, également, on profite plus des endroits, on prend plus le temps de méditer sur les différents endroits. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, un peu la différence qu'il y a entre le fait de venir en groupe et le fait de venir en privé. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. En fait, si tu préfères, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de venir à la Mecque, qui malheureusement ne le pourront pas pour diverses raisons. Après, n'oublions pas que c'est une invitation, hein. Ça, c'est toi qui me l'as pris aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment comme ça, de pouvoir se permettre de le faire dans les bonnes conditions, parce que mine de rien, c'est un grand moment d'adoration. Et je pense que si tu t'enlèves la case logistique, c'est-à-dire si tu as des vrais professionnels qui sont sur place, qui te facilitent à tous les niveaux, déjà ça te permet d'être plus concentré sur tes adorations, sur tes actes. Et au-delà de ça, moi, comme je t'ai dit, et vraiment, moi, pour moi, et en toute objectivité, c'est le vrai, vrai plus, c'est les histoires que tu nous racontes, que le frère Ryan nous raconte aussi. Et c'est des lieux bourrés d'histoires, et franchement, d'avoir cette chance d'avoir toutes ces histoires en privé, de pouvoir te poser toutes ces questions, parce que, bon, bien évidemment, si demain tu gères 30 personnes, tu vas pas pouvoir répondre toutes les 5 minutes à 30 personnes. Alors que Voilà, c'est là, ça, tu exactement. vois, que ce soit cette fois-ci quand j'étais avec ma femme ou la fois d'avant quand j'étais avec mon ami, on t'a posé des questions et tu répondais du tac au tac. Et en vrai, on est ressorti de 7 heures de visite quand on a visité les rituels du Hajj, avec beaucoup, beaucoup plus de connaissances qu'avant qu'on grimpe dans ton véhicule, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça l'avantage. Après, tu sais très bien et mieux que moi qu'en termes de prix, c'est pas beaucoup plus cher. Exactement. Donc franchement, moi, je trouve que, comment dire,
n'y a pas à réfléchir, en fait. Il n'y a pas à réfléchir. Et vraiment, moi, de tous les retours que j'ai, parce que j'ai pas mal de retours, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus par rapport au fait qu'ils me suivaient sur les réseaux, et j'ai que des retours positifs, et les gens, ils regrettent pas. Il y a aussi des gens qui viennent avec leurs parents, qui ont un certain âge et tout, et c'est sûr que Exactement. il n'y a pas photo. En fait, en dehors du fait qu'on puisse donner une multitude d'informations sur la Amra, sur le Hajj, sur l'accessibilité au niveau des rites et tout ça, et en dehors du fait qu'on puisse accompagner les gens de manière privée, on a aussi beaucoup de retours par rapport à des gens qui n'étaient pas, des fois peut-être pas acceptés par les différentes agences au niveau des groupes pour venir faire la Amra. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des parents d'un certain âge, à mobilité réduite, etc. Donc on a aussi la possibilité de proposer des accompagnements pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un accompagnement privé et on s'adapte à une multitude de situations par rapport aux gens. C'est pour ça que les gens ont plus de facilité aujourd'hui à passer par des sociétés comme la nôtre plutôt que forcément y aller en groupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, du fait que les visas sont plus accessibles, donc beaucoup plus de personnes se rendent directement à la Mecque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour amener leurs parents justement. Et c'est vrai que les parents à un certain âge, et même ils méritent. La vérité mérite qu'on leur fasse ce plaisir, qu'on leur donne ce confort avec tout ce qu'ils ont fait pour nous, quoi. Donc non, non, c'est bien, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai une autre question à te poser. Alors là, ça va être une double question. Alors, comme on l'a dit, depuis le Covid, beaucoup plus de personnes se sont rendues en Arabie Saoudite, notamment certains influenceurs. Alors, la question que je vais te poser, aujourd'hui, dès qu'un influenceur se rend à la Mecque, il y a un déferlement de haine, de commentaires négatifs, où les gens se permettent de remettre en cause, en doute, la foi, l'intention. Donc ça, c'est la première question. Donc ça, déjà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là? Et attends, avant de répondre, deuxième question. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes aussi qui viennent, qui se rendent sur place et qui, lors de ce moment qui est si important, que ce soit pour le tawaf, pour Safa Marwa, tout ça et tout, ils ont toujours leur téléphone dans la main, ils sont toujours là en train de faire des snaps, tout ça et tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens-là? Alors, concernant les influenceurs, la cheikh ou la raïb, que, yani, islamiquement parlant, on ne peut pas se permettre d'interdire ou de juger les gens par rapport au fait qu'ils viennent à la Amra. D'accord? Après, ce qu'il leur est reproché, c'est de venir à la Amra et, pour le buzz ou pour. Et puis après, repartir à leurs occupations comme si de rien n'était. Bien évidemment, que le fait de venir à la Amra, ça doit être dans un premier temps sincère. D'accord? La personne elle va venir à l'Illah Azzawajal. Donc nous, on ne peut pas faire de procès d'intention puisqu'on n'est pas dans le cœur des gens. On ne peut pas savoir est-ce que la personne va pour telle raison ou pour telle raison. Mais ce qui est bien de souligner, c'est que le but de venir à la Amra, le but après la Amra plutôt, c'est de s'améliorer. C'est de s'écarter des penchants ou des péchés ou des choses qu'on a pu faire avant cela. D'accord? Et essayer de faire surtout, essayer de faire l'effort. Parce que comme je dis toujours, la Amra, elle commence. Moi, je dis souvent aux gens que la Amra, elle commence à partir du moment où vous rentrez chez vous. Parce qu'en fait, ça sera à ce moment-là que vous serez mené à être face à la réalité des choses. Ça veut dire quand vous êtes à la Mecque, c'est vrai, vous êtes poussé par l'engouement, vous êtes poussé par le monde qui va prier. Mais est-ce que quand vous allez rentrer chez vous et que ce sera l'heure du Fajr et que vous serez dans votre propre lit sans personne, est-ce que vous allez faire le même effort? Elle est là la question. Le but de la Amra en elle-même, on ne peut pas interdire aux gens de venir. Les gens, ils peuvent avoir un passé, ou ils peuvent avoir des péchés, ou être dans une situation qui n'est pas celle qu'il faut. Mais, alhamdoulilah, le but de la Amra, justement, c'est d'aider les gens à s'améliorer dans leur religion. C'est d'aider les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est sûr que après être passé par la Amra, le but, c'est de continuer dans cet effort-là et de continuer à faire les efforts. Donc, ni on peut interdire et juger les personnes qui viennent, et ni on peut non plus se moquer ou autre des personnes qui sont venues à la Amra. D'accord? Mais d'un autre côté aussi, il faut que les gens, après être venus à la Amra, faut qu'ils puissent, ils essayent de continuer à faire des efforts. C'est pas, ils viennent à la Amra, puis après ils retombent Moi, dans je suis d'accord exactement avec dans la même toi, mais chose. bon, après, bon, là, je parle dans ce cas très précis.
Est-ce que tu penses, parce que tu sais que les réseaux, les gens sur les réseaux sont super chauds. Ils sont super chauds, ils sont super méchants, ils sont sans limite. Franchement, moi, j'ai vu sur certains influenceurs, en pas cité de nom, mais les commentaires, franchement, limite, si tu es un petit peu faible d'esprit ou si tu avais l'intention de bien faire les choses, mais que derrière, tu vois qu'au final, ça te rapporte plus d'histoire qu'autre chose. Moi, j'arrive à me mettre à la place de certaines personnes qui retombent dans leur travers. Parce que franchement, la vérité, tu fais un pas vers Allah. Et c'est des gens qui viennent te juger sur la place publique, qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Non, islamiquement parlant, le fait de venir à la Amra, il n'y a personne qui peut te juger par rapport à ça. Tu peux venir à la Amra. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais le fait de retomber dans les mêmes travers dans lesquels tu étais avant, c'est un peu plus ça qui est pointé du doigt de ce que je vois, de ce que j'ai compris. Et c'est sûr que nous, par exemple, quand moi j'ai fait ma première Amra en 2010, et ben, quand on est venu à la Mecque, on était éblouis. On était heureux, on était content d'être là. D'accord, avant, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas ça. Je ne vais pas dire qu'avant, il y avait un peu plus de sincérité. C'est vrai que ça s'est démocratisé, la Amra, maintenant. Mais c'est bien, c'est une bonne chose aussi. Ça permet à beaucoup de gens, Bien il y a sûr. des gens, par le fait qu'ils sont venus à la Amra, et ben, quand ils sont rentrés, ce n'était plus les mêmes. Ils sont vraiment accrochés à leur religion, se sont améliorés sur plein de points. Ça a souligné également. On parle de ce côté-là, mais il faut aussi parler des gens qui sont venus, Bien qui étaient sûr. dans des situations connues ou méconnues, et qu'après être rentrés, ils sont vraiment améliorés religieusement parlant. Donc, certes, il y a plus de gens qui viennent, il y a plus de moyens, il y a plus de facilité, mais le fait de venir à la Amra et de repartir comme si de rien n'était, c'est déjà un signe d'acceptation ou non. Parce qu'en fait, parmi les raisons et les causes d'acceptation de la Amra ou du Hajj, c'est que après avoir fait le Hajj ou la Amra, normalement, la personne doit sentir une amélioration. D'accord? Si elle repart dans ses travers comme si de rien n'était, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant, ni on peut juger les gens quand ils viennent, d'accord? Ni on peut dire aux gens de ne pas venir, ni les gens qui viennent doivent aussi retomber dans quoi ils étaient. Ils doivent quand même faire l'effort de s'améliorer par rapport à tout ça, Ah, mais quoi, tu ça, vois. c'est une certitude, bien sûr. Il y a un juste milieu à avoir, d'accord? Il y a des gens qui jugent, qui disent non, pourquoi cette telle personne vient? Et il y a des gens qui sont venus sincèrement, peut-être, et qui vont s'améliorer après être venus. Donc ça peut mettre des barrières à certaines personnes qui ont envie de faire le pas, mais qui se disent non, moi je vais pas aller à la Amra parce que je suis encore dépecé, parce que je suis encore dans ces situations-là. Et après être venu, les gens ils vont me juger, ils vont me dire pourquoi, en gros, pourquoi t'es parti à la Amra? Ben justement, moi, c'est, je voulais en venir à ça après. Ça aurait été la question d'après. Il y a des frères et des sœurs aussi qui sont freinés par rapport au fait de voir ces commentaires, voir ces jugements, cette facilité. Peut-être parce que peut-être ils se reconnaissent à travers l'influenceuse ou l'influenceur. Ils se disent non, mais si lui, ils l'ont critiqué, ils vont me critiquer aussi. Donc laisse tomber, j'y vais pas. Alors que malheureusement, moi, je trouve qu'on devrait pousser les frères et les sœurs à accomplir plutôt que le contraire. Bon, après, ça, c'est voilà, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas forcément vouloir faire par rapport au regard des gens. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est terrible à ce niveau-là. Maintenant, tu n'as pas répondu à la question par rapport aux gens qui sont là, qui tournent et qui snapent. Non, par rapport aux gens. De toute manière, même ces gens-là qui se sentent. Déjà, le mieux, c'est de. S'ils peuvent venir en étant discrets, déjà, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens beaucoup de personnalités qui viennent. Mais je ne parle pas des influenceurs. Là, ça y est, on a. C'est par rapport aux gens qui sont là, qui tournent, par exemple, les petits jeunes qui viennent, qui Ouais, mais sont là. ces influenceurs-là, ils le montrent qu'ils sont là. Ouais. Donc, ça. C'est une transition par rapport à ce que tu m'as dit. Parce qu'en fait, le fait de filmer, c'est déconseillé. D'accord? Le but, c'est de profiter de l'instant T. On vient à Lillah Azzawajal pour accomplir une grande adoration. Certes, assez démocratisée, elle est devenue simple d'accès, mais elle a une grandeur auprès d'Allah qui est inestimable. Donc, nous, le conseil qu'on donne aux gens en général qui viennent avec nous ou autres, c'est de profiter de l'instant T, de profiter du moment, de profiter de la sincérité, de haqqaq le tawhid, c'est-à-dire la soumission à Allah Azzawajal de manière sincère. Et de pas rentrer dans ces après faire une petite photo pour petit souvenir pour la famille etc. Alhamdoulillah. Voilà, mais ce qui est déconseillé des institutions au niveau de la mosquée sacrée à la base ils voulaient le faire, c'était d'interdire complètement le fait de filmer parce que les gens ils prennent plus de temps à filmer, ils dérangent les passants par exemple, que ce soit au Tawaf ou autre, et logistiquement parlant et même religieusement parlant, ça peut provoquer des mécontentements. Alors, ben, tu fais bien d'en parler.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Alors la première fois que j'étais venu, rappelle-toi, c'était en 2022, c'était juste à l'après-Covid. Il n'y avait pas grand monde, on va dire. La deuxième fois, et bon, la troisième fois, c'était particulier, c'était pendant le Ramadan. Mais faut savoir que maintenant, il n'y a plus de haute, basse saison, il n'y a plus de moment où tu te dis, je viens maintenant, il n'y a pas grand monde, ça, c'est fini. Et aujourd'hui, alors surtout, moi, je me mets à la place des Français, parce que mine de rien, malgré que les gens disent qu'on a pas mal de défauts, on a ce truc qui est quand même un petit peu la courtoisie sur certains... Parce que je vais pas dire le comportement, parce que là, je vais me faire assassiner. Mais par exemple, quand on est mélangé avec toutes les nationalités, quand on se retrouve à Mecca, ça peut être compliqué. On peut perdre notre sang-froid. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que ça, c'est vraiment une situation à laquelle les frères et les sœurs ils peuvent être confrontés. Et alors, autant on a ce côté courtois, les Français, mais on a ce côté où des fois on réagit mal. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Non, ça c'est bien évidemment. On est confronté à une multitude de nationalités. On est confronté à plusieurs peuples, d'accord, avec des mœurs différentes. Il y a des peuples chez eux, ils ont une manière de se comporter. Pour eux, c'est normal. Peut-être pour nous, c'est un petit peu plus gênant. Et faut savoir prendre du recul sur ça. Moi, ce que je conseille, c'est de patienter surtout, parce que voilà, on vient pour une adoration qui n'est pas des moindres et qui a une grande récompense. Donc moi, ce que je conseille, c'est de patienter par rapport à ça, parce que voilà, il y a des gens, ils viennent de certains pays, ils viennent de contrées lointaines, ils n'ont peut-être pas eu accès à certains, à certaines manières ou à Les infrastructures. certaines infrastructures. Comme tu l'as vu la dernière fois, il y a des gens, ils arrivent devant l'escalator, ils savent pas ce que c'est. Donc je pense qu'il faut patienter, il faut être doux avec les gens. Certes, nous, alhamdoulilah, Allah nous a facilité d'avoir compris et vécu certaines choses et avoir acquis certaines mœurs. Et il faut patienter parce que voilà, il y a des gens qui viennent d'Inde, par exemple, ou de la région d'Asie centrale. Chez eux, par exemple, c'est une question de survie. S'ils passent pas, s'ils montent pas dans le train, Monte sur le toit. ils montent sur le toit. Donc ils ont certaines manières de faire pour eux, c'est normal. Il faut pas le prendre comme si la personne a voulu nous embêter ou le faire volontairement, quoi. Ouais, non, mais moi, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, malgré que je vis à Dubaï. Et à Dubaï, justement, il y a pas mal de personnes qui viennent d'Inde et d'Asie centrale. Mais par exemple, tu peux être confronté à quelqu'un qui va te bousculer, qui va te mettre un coup d'épaule, limite à deux doigts de la déboîter, il va même pas s'excuser. Et ça, nous, les Français, on a du mal à l'accepter. Bah en fait, on pourra pas, mondialement parlant, réunir autant de nationalités différentes à un seul endroit. Je sais même pas si ça a déjà été fait. C'est pas une coupe du monde, c'est 10 coupes du monde. C'est donc les gens, c'est à la coupe du monde quand ils y vont, c'est des gens qui ont un certain moyen, c'est pas n'importe qui vient de tous les pays. Là, c'est des gens de toute contrée, de toute situation sociale qui sont réunis au même endroit pour adorer le même Seigneur. Donc bien évidemment qu'on va être confronté à des gens qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur pays ou de leur forêt ou de leur région. Non, mais moi, je te dis ça, attention, je ne suis pas en train de te dire ça, en gros, limite, il faut faire la bagarre, au contraire, parce que ça peut surprendre, ça peut surprendre, et même selon le nombre de jours que tu restes, l'accumulation peut te faire péter un plomb, parce que, bah, tu sais, je pense que vu que tu es là-bas au quotidien, tu as dû entendre des histoires de frères qui ont dû carrément faire la bagarre. Après, c'est parmi les conditions religieuses de l'acceptation. Bien Par sûr, non, exemple, non, pour mais... le Hajj, le verset est clair, la fusuqa ou la jidala fil Hajj. Ça veut dire il n'y a pas de perversité, d'accord? Ni de jidel, ça veut dire d'embrouille ou autre, dans le Hajj. Donc le but de ce voyage-là également, c'est que justement, tu travailles ton nefs à patienter sur ces situations-là. Ça fait partie justement de la récompense. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que pour moi, sachant un petit peu comment les Français en fonctionnent, c'est important de le dire pour ceux qui vont regarder ce podcast, de s'y préparer. C'est un conseil parce qu'on est là justement pour un petit peu préparer les gens à venir effectuer que ce soit la Omra ou le Hajj, pourquoi pas, qui est un pilier de notre religion. C'est important. Il y a ça, il y a aussi. Alors, au début, moi, j'y arrivais pas. Mais maintenant, je les comprends. Les policiers sur place. Ah, les policiers, il faut se mettre à leur C'est place, hein. C'est pas facile, une dinguerie.
Moi, au début, ils m'ont traumatisé. Je me dis, c'est pas possible qu'ils parlent comme ça à des femmes, à des hijabs, ça et tout. Mais en vrai, faut se mettre à leur Il est place. au soleil toute la journée, il est face à des gens, des millions de gens qui transitent chaque jour. Ils comprennent pas la langue. Moi, je leur tire mon chapeau plutôt, parce Ah que se ouais. mettre à leur place, c'est pas facile. Mais ça aussi, c'est des choses qui peuvent vraiment surprendre. Donc, on a parlé de Guijin Meka, on a parlé des comportements à avoir, des jugements des personnes sur les réseaux. Maintenant, quel conseil tu donnerais pour une famille, un groupe, un couple ou une personne toute seule qui viendrait pour la première fois? Quel programme tu conseillerais de faire pour, on va dire, plus ou moins tout faire sans trop se fatiguer, sans prendre trop d'informations d'un coup? Toi, par exemple, en tant que PDG de Guijin Meka, je suis intéressé pour venir effectuer ma Umra. Tu me ferais quoi comme programme? Bon, déjà, la question qui revient souvent, c'est le nombre de jours. Donc, nous, on conseille en général aux gens de venir entre une semaine et 10 jours. Ce qui est bien aussi dans la Omra privée, c'est que les gens, ils peuvent venir au moment qui est le plus opportun pour eux. Parce que quand on fait des groupes, c'est des périodes données et des dates précises. Donc, nous, on conseille aux gens de venir quand ils veulent. D'accord? Nous, on conseille de venir entre une semaine et 10 jours. Et on leur conseille dans un premier temps de prendre pour la première fois, et même par la suite, il y a beaucoup de gens qui reprennent tout le temps cette formule-là, ce qu'on appelle le pack all inclusive. Le pack all inclusive, il va comprendre tous les transferts, il va comprendre les visites à Médine, les visites à Mecca, la préparation au voyage avant, d'accord, l'accompagnement durant le voyage, et l'accompagnement à Amara, qui est le point le plus important du voyage. D'accord? C'est-à-dire qu'ils auront un guide personnalisé durant tout le long de leur séjour. De leur arrivée jusqu'à leur départ. Ils auront un guide qui seront avec eux pour les préparer, un guide pendant les rites et un guide après pour les redéposer à leur retour à l'aéroport pour rentrer en France, par exemple. Et pour les visites guidées aussi, vous aidez aussi pour le visa, pour ceux qui n'arrivent pas. Voilà. Après, bon, il y a plein d'autres services qui sont à côté, comme l'obtention du visa, certaines activités. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants en famille pendant les vacances. Ils prennent une semaine, 10 jours. C'est vrai que religieusement parlant, ils sont au top dans le sens où ils profitent de la mosquée sacrée, mais à côté, ils aiment bien faire une petite visite au musée ou une petite sortie en mer pour un petit peu décompresser, faire décompresser un peu les enfants. Tout ça, nous le proposons et bien entendu, bon, c'est sur le site internet. C'est ça. Je vous mettrai après les différents réseaux sociaux de Guijin Meka pour que vous puissiez déjà les suivre dans le sens où sur Snap, franchement, vous donnez des vraies infos. Vous On faites. essaye de donner un fil d'actualité qui est homogène. On essaye un peu de parler un peu des nouvelles lois, que ce soit en termes de restrictions ou autres, de donner un peu les bons plans aussi, en termes de courses, en termes d'achat, en termes de restauration, et montrer les différents endroits, bien évidemment de manière limitée, mais de montrer les différents endroits qu'on fait visiter aux gens durant leur séjour. Côté restauration, c'est plus Ryan le spécialiste. Ah, c'est bon. En tout cas, si vous allez en Arabie Saoudite, vous devez goûter d'urgence signature. C'est lequel que je prends, moi? C'est le Rainbow, non? Rimbaud, Rainbow, les gars, le Rainbow, faites-moi confiance. Ça, c'est une valeur sûre. Donc, en gros, pour une première visite, tu conseilles le pack all inclusive et tu conseilles une semaine à 10 jours. Alors, maintenant, moi, je vais me permettre de te dire ça. On est en live, hein, on n'a pas préparé la chose. Moi, par exemple, je peux pas rester une semaine à 10 jours, c'est trop pour moi. Donc, toi, tu penses honnêtement que 3-4 jours, ça serait trop court, par exemple? nous, le programme qu'on propose, on peut l'adapter au nombre de jours que vous voulez. Il y a des gens qui sont venus 2 jours, on leur a fait ce programme-là. Pourquoi? Parce que les prestations qui sont proposées, ils sont adaptables à n'importe quel séjour. Ça peut être sur 2, sur 3, sur une semaine. Nous, on conseille une semaine à 10 jours pour pouvoir profiter des lieux saints. Voilà, comme vous savez, à Mecca, la récompense des 100 000 au niveau de la prière, bah, plus on reste, plus on profite. Mais les gens qui sont comme toi dans le Moyen-Orient, qui sont à côté, il y a beaucoup de gens qui viennent 3-4 jours. Et nous, on leur fait le programme sur 3-4 jours. Transfert à aéroport, transfert en gare, parce que tous les gens ils transitent en TGV maintenant. On les récupère, il y a des équipes à Médine, des équipes à Mecca. On met en place toute la logistique sur 3 jours. Les visites, c'est un peu plus intense, bien évidemment. Là, Omra, guide privé. Et à la fin, ils repartent sur 3-4 jours. Ils font leur week-end, ils repartent. Mais en général, quand les gens ils viennent de France, bah, ils viennent pour une durée de 7 à 10 jours. D'accord. Mais par contre, moi, là, tu as mis le doigt encore sur quelque chose. Et moi, ça me dérange. Quoi, ça me dérange? Attention, il n'y a rien d'alarmant.
Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais pour toi, c'est plus facile, tu es à côté. Ben, faut savoir que quand on part de Dubaï, par exemple, pour aller jusqu'à Jeddah, on met plus de 3 heures. Et quand tu pars de Marseille, on met 6 heures, c'est ça? Et de Paris, alors que tu es de Paris, tu vous mettez combien de temps si tu fais un vol direct? C'est ça, c'est 6h30 en fait. Moi, je trouve que quand on me dit ça, moi, ça me dérange dans le sens où pour un acte si important, tu es en train de me compter 3 heures d'avion en plus, alors que pour aller en Thaïlande, on met 12 heures, sans compter les escales. Ça, c'est moi, pour moi, ça, c'est moi, je trouve que cette excuse-là, alors peut-être c'est des gens qui s'accrochent à cette excuse parce que bon, eh bien, ils sont pas invités, comme tu me l'as si bien dit, mais pour moi, c'est vrai que nous, à Dubaï, on est plus proche, mais moi, je pense que pour un acte si important, 6 heures de vol, c'est pas. En fait, de faire 3 heures de vol en plus, c'est pas la mer à boire. T'en penses quoi de ça? Parce que moi, franchement, c'est un truc qui sort trop souvent. Moi, les gens me disent, toi, ouais, mais toi, c'est à côté. Non, moi, pour moi, c'est pas une excuse. Comme tu l'as dit, c'est une invitation. Donc, nous, on n'est pas là pour, entre guillemets, vendre la Amra. C'est une adoration. Celui qui a l'envie, la sincérité surtout, et la possibilité de venir le faire, il se posera pas ces questions-là. Parce que, comme tu l'as dit, on est amené à voyager, touristiquement parlant, dans le monde entier, à faire des voyages qui sont encore, plus lourds que celui-ci, et pour des raisons qui sont moins importantes. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï, par exemple, et passent par l'Arabie Saoudite. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant, par contre, qui se permettent de faire une escale ou qui se permettent d'aller à Dubaï, de venir faire une Amra et de repartir. Après, Léon dit, tu Ouais, sais, moi, on me c'est le dit pas. souvent, ça. Bref, écoute. En tout cas, voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi, Tarek, en tout cas, moi, je suis très, très, très content de ce qu'on a réussi à accomplir ensemble. Avec toi, avec Ryan. Franchement, bah, je suis admiratif de ce que vous faites au quotidien parce que moi, malheureusement, je suis un petit peu à l'extérieur de tout ça. Je vous félicite. Vraiment. Moi, je suis venu en fait amener un petit peu ma visibilité et mon côté entrepreneur un petit peu dans ce projet-là. Alors au début, je me rappelle, j'ai vu dans tes yeux que tu avais du mal parce qu'au début, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand je te parlais un petit peu de tarifs, tout ça et tout, j'ai vu que tu n'étais pas trop d'accord avec moi parce que c'est vrai que tu as dû te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, là, à Dubaï, il n'a pas compris que ce n'est pas pareil. Oui, j'ai compris en fait. Moi, j'ai compris dans tes yeux ce que tu voulais me dire. En gros, à Dubaï, 90% des gens qui vivent à Dubaï, ils viennent, ils font du business pour s'enrichir. En Arabie, les frères qui viennent en Arabie, c'est plus pour vivre modestement, j'ai envie de te dire. Donc, c'est sûr que certains concurrents à nous, ben, ils se disent quoi? Ils se disent, ben, écoute, en vrai, moi, si même si j'achète une voiture, je fais un trajet aéroport dans la journée. Ça lève un petit peu le gasoil, les frais. Je gagne mes 50 euros tous les jours. Alhamdoulilah, je suis bien pour subvenir aux besoins de ma famille. Sauf que bon, tu sais très bien que mathématiquement, à la fin, on ne s'y retrouve pas parce que demain, tu as une galère, tu as la voiture qui casse, tu dois rentrer en urgence en France, tu as un problème de santé. Au final, c'est pas comme ça que tu peux sécuriser vraiment ta famille. Donc c'est vrai qu'au début, quand je te parlais de tarifs, tu avais un peu peur parce que tu savais que la concurrence, elle était un petit peu comme ça. Mais aujourd'hui, parce que ça reste quand même un podcast où on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que la recette, malgré que ta réticence, elle nous a permis d'aller doucement? On a commencé avec un Snap, après on a rajouté Instagram, après on a rajouté le site internet. Qu'est-ce que tu penses de la méthode un petit peu qu'on a utilisée un peu pour Guidin Meka, dans le sens où on est allé crescendo? Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que la logistique est bonne? Est-ce que tu penses que quand même certaines petites méthodes que j'avais préconisées, elles ont apporté leurs fruits aujourd'hui. Tu en penses quoi concrètement? Comme tu l'as dit, nous, à la base, notre but, c'est pas de s'enrichir, malgré qu'on a tous besoin de vivre. Lier l'utile à l'agréable. Nous, si on peut accompagner les gens dans l'adoration d'Allah Azzawajal, dans les visites de certains sites historiques, et en contrepartie aussi, pouvoir gagner aussi notre vie qui nous permet d'être sur place et de pouvoir faciliter la communauté. Parce que on est tous amenés à vouloir aider la communauté selon nos capacités. Nous, Allah nous a facilité d'être sur place, de pouvoir aider les gens dans cette adoration-là. C'est vrai qu'au début, on n'était pas trop enthousiaste de développer ça sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'était beaucoup du bouche à oreille. Les gens ils nous connaissaient parce que ça faisait de nombreuses années qu'on était sur place. On a toujours fonctionné comme ça et ça nous a toujours servi, plus ou moins. Mais c'est vrai que depuis le corona, avec on va dire l'explosion de la Amra dans le sens où les gens
ils viennent de plus en plus en Amra et ils viennent de plus en plus de tout seuls. On a été amené à structurer la chose. Je pense que c'est plus de la structuration pour pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions et qu'on puisse proposer aussi un service de qualité. Là, aujourd'hui, Guidin Mecca, c'est une équipe à peu près d'une dizaine de personnes. D'accord? Il y a une partie à Médine, une partie à Mecca. La logistique, elle est fluide parce que voilà, on travaille en toute harmonie. On est une équipe, alhamdoulilah, structurée. Et on est arrivé à un stade où on arrive à gérer un certain nombre de personnes. Et on y est très satisfait. Alhamdoulilah, on pense que pour nous, c'est totalement C'est suffisant. pourquoi je rigole, parce que ça fait un moment que toi et Ryan, vous ne m'avez pas dit envoie un petit coup sur Snap. C'est que, Non, alhamdoulilah, ça se passe alhamdoulilah, bien. ça se passe très très bien. Et surtout que tu n'as pas envie en fait de vouloir trop accueillir Voilà. On veut pour, pas pour... faire plus pour ensuite être moins, on va dire, productif ou moins qualitatif. Alhamdoulilah, on a un nombre de familles qui vient chaque mois, on s'occupe d'eux comme il se doit, on essaie de donner le temps qu'on peut à tout le monde et de gérer les gens tous de la meilleure des manières. Et les gens, ils sont contents et on est content et ça nous suffit amplement en fait. Ah ben c'est bien, c'est bien. Alhamdoulilah. Tu penses quand même que j'ai un petit peu cumulé des hasanats ou ça va? Inch'Allah, Inch'Allah. C'est Allah Non, parce que moi j'ai qui fait ça pour ça. facilite. Non, Inch'Allah, soit, comme je t'ai dit, Non, c'est bien, moi ça me fait plaisir. sincérité. Tu sais, ça me fait Tu vois. plaisir, ça me touche quand il y a un frère qui m'envoie une photo de lui avec son père, avec sa mère, qui me fait un retour sur toi, sur Ryan ou sur même le reste de l'équipe. Tu peux pas t'imaginer la sensation que ça me fait. Et c'est pas du cinéma que je fais, je suis vraiment très, très, très sensible à ça. Et moi, vraiment, tu sais très bien, moi, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, j'ai vraiment fait ça, fisabilillah. Et vraiment, je sais pas comment vous remercier. Franchement, vous faites un travail exceptionnel parce que c'est du boulot. Là, par exemple, quand j'étais à Mecca l'année dernière, quand je voyais Ryan, le matin, je me levais, il n'était pas dans son lit. Le soir, il rentrait, il faisait des aéroports, il faisait des visites. Toi aussi, tu en fais autant. En plus, maintenant, la logistique en paperasse, c'est quelque chose. Hein. Tu reçois des mails, tu dois être réactif. Alors, déjà, c'est bien, on m'a dit que tu étais très réactif. C'est du boulot, c'est du boulot. Il y a des gens qui. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent mal penser en disant, ouais, ils font de l'argent sur la religion. Non, c'est pas de l'argent sur la religion, c'est votre travail, vous avez des bouches à nourrir. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que vous faites, aujourd'hui, s'il y a bien des personnes qui méritent de gagner de l'argent grâce à leur boulot, c'est vous. Parce que vous faites les choses, avec la foi. Et comme tu as dit, on pourrait beaucoup plus travailler, on pourrait beaucoup plus développer, je pourrais vous partager tous les jours, toutes les semaines. Mais ce n'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, alhamdoulilah, on arrive à faire un service de qualité. Et tout le monde y gagne, j'ai envie de vous dire. Tu en penses quoi? Ouais, c'est vrai que c'est souvent des paroles que j'ai pu entendre. Le fait de. Les gens, ils pensent que quand ils viennent, ils payent le Hajj un certain montant ou la Omra d'un certain prix. Ils pensent que c'est la Omra en elle-même qui coûte ce prix-là. En fait, les gens, ce qu'ils payent, c'est tout le service qui est autour. Ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que bah, pour venir, il faut se déplacer en avion. Donc, il y a des billets d'avion à prendre. Les voitures, les transferts. Et tout le service qui est autour, c'est ça qui coûte de l'argent. La Omra elle-même, elle est gratuite. Le Hajj en lui-même, il est gratuit. Quand on tourne autour de la Kaaba, on ne paye pas. D'accord? Donc, affilier le Hajj et la Omra à des gains, c'est vrai, mais c'est surtout pas vrai. Parce qu'en fait, on paye tout l'accompagnement qui est autour. D'accord? Billets d'avion, hôtel. Bah, aujourd'hui, les hôtels, c'est un certain coût. Donc, quand on paye des nuits d'hôtel ou quand on prend des formules, et bah, ça va dans les poches des commerçants hôteliers, ça va dans les poches du Hilton ou du Marriott, ça va pas dans les poches malgré que voilà. Mais ce qu'on veut faire comprendre dans la communauté, ce qui est le point où il y a un petit blocage au niveau de la compréhension que j'ai beaucoup relevé, c'est que les gens en fait ils pensent que tout ce qui est fait fisabilillah, et tu l'as dit juste avant, tout ce qui est fisabilillah, ça veut dire gratuit. Et ça, c'est une erreur. Au niveau de la compréhension islamique, c'est qu'en fait, une chose a peut être faite fisabilillah, parce que ça veut dire quoi fisabilillah? Ça veut dire sincèrement pour Allah. Pour C'est le fait d'être sincère dans ce qu'on fait. On peut faire une chose sincère et gagner sa vie avec. bien sûr. Et on peut faire une chose gratuite et pas être sincère. D'accord? Donc la personne, par exemple, je sais pas, va aider la mosquée, mais elle n'est pas sincère. Elle n'est pas payée, elle est pour l'association. Et bien cette personne-là, certes, a travaillé pour la mosquée. Fisabilillah, comme nous on le dit en France, parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce terme-là, mais en réalité, elle n'est pas fisabilillah. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sincère pour Allah dans ce qu'elle fait. Et on peut faire une chose, c'est pour ça que nous, on a un travail au niveau du cœur qui est très important, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop s'exposer, etc.
Parce qu'en fait, on doit toujours se remettre en question. On doit toujours essayer de faire en sorte de se rappeler pourquoi on fait ça. Et ça, déjà, c'est un djihad nefs qui est encore plus profond que ce qu'on ne le pense. Parce que voilà, comme tu as dit, on touche à un certain domaine qui n'est pas des moindres. C'est une responsabilité pour nous. Et nous, on est personne. En fait, on ne veut même pas parler de nous. C'est juste qu'on demande juste à Allah de rester sincère, de nous garder sur cette voie-là, de nous garder sur cette sincérité-là. Parce que si demain notre sincérité a part, eh ben en fait, c'est nous qu'on sera les premiers perdants. D'accord, bah écoute, franchement, tu as répondu à toutes les questions que je me posais, quoi que j'avais envie de te poser, parce que les réponses, je les avais. Questions que certaines personnes qui me suivent m'ont posées aussi. Maintenant, je vais te poser une question qui est plus d'ordre personnel par rapport à mes projets sur Dubaï et aux échos que j'entends de certains entrepreneurs. Peut-être tu vas pouvoir m'y répondre. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, ouais, Dubaï, ça y est, c'est fini. C'est l'Arabie Saoudite. Alors moi, je l'entends. Ils ont fait signer Cristiano Ronaldo et Benzema. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ça va être ce que les gens pensent rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir l'argent ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens. Ils vont se donner les moyens de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la mentalité, tu ne la changes pas en un claquement de doigts ou avec de l'argent. T'en penses quoi, toi, sur l'avenir de l'Arabie Saoudite par rapport à la vision, on va dire, du roi d'Arabie. Tout simplement que bon, nous on est dans un cadre religieux, on est à la Mecque et à Médine. Donc la Mecque à Médine, le Hijaz, la région du Hijaz, ça a toujours été, on va dire, à part de tout ce qui se fait dans le pays ou qu'on entend de près ou de loin. C'est sûr que le pays là il a pris une voie d'expansion, de développement, mais maintenant l'Arabie Saoudite, c'est pas nouveau, ça a toujours été le pays le plus riche du monde arabe, l'un des plus grands, avec une forte population. Parce que comparé aux Émiratis, par exemple, les Saoudiens sont 25 millions. Donc ils ont un peu moins besoin de l'étranger que par exemple à Dubaï, où c'est les Émiratis qui vivent avec les étrangers. Nous, là-bas, on vit avec les Saoudiens. Donc dans un premier temps, déjà, ils vont favoriser leurs ressortissants, parce qu'ils ont tout à fait raison en réalité quand on se met à leur place. Et certes, le pays se développe, il y a beaucoup de grands projets, il y a beaucoup de grandes structures de développement qui se mettent en place un peu partout dans le pays. Mais je pense pas que ça sera dans la lignée des Émirats parce que pour moi, c'est deux pays différents et c'est incomparable. Comme je t'ai dit déjà, c'est pas la même population. C'est pas la même vision sur beaucoup de choses. Et donc, certes, il y a des opportunités dans le pays. D'accord? Il y a beaucoup de sociétés, que ce soit françaises ou internationales, qui se sont installées à Riyad, à Neom, à Jeddah, dans des grosses boîtes comme Alstom, comme on va pas toutes les citer, mais il y a du travail, d'accord, dans le pays. C'est un pays qui a de l'avenir, parce qu'en termes de manne financière, en termes de positionnement géographique, en termes de beaucoup de paramètres, mais moi je le comparerais pas aux Émirats par rapport à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent justement, et moi j'ai entendu que tu me dis si je me trompe, que aujourd'hui justement il y a pas mal de cabinets d'audit français qui se rendent directement en Arabie, entre autres pour former justement les ressortissants saoudiens. Voilà. En fait, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, tu vas pouvoir venir, de ce que je vois, de ce que je comprends, de ce que tu m'as dit et d'autres. Tu peux venir, tu peux ouvrir ta boîte, par exemple, et proposer des activités ou proposer de la location de voiture. En Arabie Saoudite, je pense pas que ça ira dans ce sens-là. Il y a déjà les Saoudiens qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à mettre en place des structures. Peut-être qu'il manque peut-être soit de formation ou d'autres, ou des fois ils Un sont très très qualifiés. savoir-faire. Un savoir-faire, mais des fois ils sont très qualifiés. On a tendance à penser qu'on est en avance sur eux dans tout, mais il y a des choses où ils sont peut-être même plus forts que nous. Bien sûr. Mais peut-être qu'ils vont faire appel sur certaines choses à des cabinets d'audit internationaux pour se former et mettre le pays à niveau. Mais ça sera toujours dans le cadre d'un développement interne. D'accord? D'accord. Ils ne vont pas avoir spécialement besoin du monde entier parce que eux, c'est des spécialistes dans ça, donc ils vont venir, on va ramener eux, on va ramener un peu comme ils ont fait les Émirats. Ils ont pris un peu ce qu'il y a de mieux dans le monde et ils les ont réunis dans la ville. Là-bas, non, là-bas, ils vont former leurs locaux, ils vont former leur population et ils vont être à même de gérer tout ce qu'ils ont à gérer. D'accord. Sans aucun problème. D'accord. Écoute, moi, ben, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je suis obligé de te poser une question parce que c'est la question qui m'a été le plus posée.
Pas mal de personnes ne se sentent plus à leur place en France pour diverses raisons, soit religieuses ou même pas que, parce qu'aujourd'hui, tu regardes aux Émirats, il y a pas mal de gens qui s'expatrient, qui ne sont pas de confession musulmane. Les gens en général, ils partent beaucoup au Maroc, Dubaï, tout le Maghreb, l'Égypte, tout ça. Mais il y a aussi pas mal de gens qui aimeraient s'installer en Arabie. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour ces personnes-là? Bah, tout d'abord, moi, je vais plus parler des personnes qui partent pour des raisons religieuses ou des raisons. Moi, par rapport à ces gens-là, le conseil que je leur donne, tout d'abord, c'est de partir, j'insiste encore sur ça, sincèrement pour Allah, pour avoir la récompense. D'accord? Parce qu'on peut tous partir pour des raisons économiques, on peut partir pour diverses raisons, mais celui qui part sincèrement pour préserver sa religion, pour s'améliorer, il y a des gens qui savent que. Le fait de vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un cadre qui n'est pas propice, par exemple en France ou ailleurs, hein, eh ben fait que ça n'avance pas comme il le souhaite. Donc moi, le conseil premier que je pourrais donner aux gens, avant de préparer, parce que ça se prépare bien évidemment, c'est de partir de manière sincère pour Allah, pour avoir cette récompense, pour avoir la récompense qui est inestimable. D'accord, qui est inestimable auprès d'Allah Azzawajal, puisque Allah il nous promet maintes refuges et abondance. Tout ce qui est économique, tout ce qui est relatif à, on va dire, à la dunya, ça va venir après, dans un second temps. Mais le premier point sur lequel j'insiste et sur lequel les gens ils doivent mettre en avant dans un premier temps, c'est de partir sincèrement pour Allah Azzawajal. D'accord? Après, le fait de s'installer plus particulièrement en Arabie Saoudite, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont moins besoin des étrangers dans le sens où ils ont une population qui fait l'affaire. En tout point, mais je conseillerais aux gens, y a pas, de toute façon, il n'y a pas 36 moyens de venir s'installer en Arabie Saoudite. Il y a soit le côté au niveau scolaire, c'est-à-dire s'inscrire dans une université, être accepté par l'université, et l'université va faire les démarches administratives pour vous envoyer votre visa et pour venir après, ensuite, dans un second temps, vous installer en Arabie Saoudite. Ou d'être expatrié, comme beaucoup, c'est-à-dire travailler dans une boîte. Il y en a qui travaillent aux Émirats, justement, comme Thales, comme Siemens ou autre, et de prendre un poste sur l'Arabie Saoudite, puisque maintenant il y a beaucoup de chantiers qui sont en construction et qui sont partis en Arabie Saoudite, et de se délocaliser comme ça. D'accord? Donc avoir un emploi et trouver un emploi dans une société partenaire ou autre. Et la troisième solution, bah, c'est de postuler dans différents sites, chercher un emploi selon le domaine de chacun, et si la personne ils ont un retour, bah, venir faire un entretien. Et par la suite s'installer dans un futur proche. Voilà, c'est Merci les trois Tarek. possibilités. Ben écoute Tarek, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'avoir été le premier invité de ce podcast. Hein, franchement, je pense que les gens ils vont apprécier. Franchement, c'est sincère ce que je dis. Et voilà, un dernier mot. Bah, merci à toi déjà pour ce que tu fais. Alhamdoulilah, je sais, on a l'occasion d'en parler toujours en privé. Je sais que alhamdoulilah, tu fais les choses pour faciliter aux gens dans un premier temps et que c'est ton but avant tout. Nous, c'était pas prévu qu'on fasse ça. On était censé juste se voir, mais J'ai fait alhamdoulilah, un logo, j'ai tout fait, une chaîne YouTube, j'ai tout fait déjà, ça y est, ah ben oui. ouais. Et donc, bah, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? Bah, de s'accrocher. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui sont en France. J'ai été récemment. Alhamdoulilah, il faut rester positif. Il faut pas se mettre de barrière. Dans la vie, moi, je suis parti très jeune. Certes, j'avais pas d'accroche en France quand je suis parti, parce que je suis parti en tant qu'étudiant. Et bah, ça, c'était un tremplin pour moi qui m'a permis aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, d'être toujours dans le pays de mes rêves, puisque ça a toujours été pour chaque musulman, je pense que vivre à Mecca et à Médine, c'est un rêve. Et bon, alhamdoulilah, moi je suis pas le mieux placé pour parler de ça parce que, comme je t'ai dit, je suis parti, j'avais pas d'accroche réelle en France. J'avais pas un emploi ou des enfants, j'avais pas encore d'enfants qui étaient scolarisés, tout ça. Mais inch'Allah, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui sont inch'Allah motivés de partir, de faire les causes, de se préparer, d'aller voir, de tâter le terrain, de pas se précipiter et de mettre tout ce qui. De faire les causes et d'être sincère, bien évidemment. Sincère. Merci Tarek.